Merci Isabelle. Je vais demander à Dominique de venir nous présenter notre politique, le projet de notre politique pour les associations. Voilà, vas-y Dominique. Bonsoir, messieurs, dames. Avant de vous faire partager les résultats de notre groupe de travail, je voudrais associer Michel Mouret, qui a travaillé beaucoup avec moi, et Pascal Taillant, qui est également venu m'aider dans cette tâche. Et je voudrais surtout remercier Frédéric pour cette magnifique rencontre que nous avons faite depuis quelques mois maintenant. On a partagé beaucoup d'idées avec plein de gens. C'est vraiment une très belle, très très belle aventure humaine. Et quel que soit le résultat, moi, j'en sortirai extrêmement enrichie personnellement, enrichie par la diversité des idées, enrichie par la gentillesse des gens. Et je pense que ce soir, c'est ce qui transparaît, et j'espère qu'il vous touchera. C'est vraiment une équipe extrêmement unie qui se présente devant vous. Moi, pour me présenter, eh bien, ça va être très simple. Le mot association, sport, culture, réunion, don de soi. J'ai été bercée là-dedans toute mon enfance. J'ai suivi les pas de mes parents, de mes grands-parents, qui étaient eux-mêmes très impliqués dans le milieu associatif. Très jeune, j'ai fait du sport collectif. Puis j'ai trouvé ma passion, la danse, qui m'a amenée jusqu'à la présidence du comité départemental de danse de la Haute-Garonne. Et puis après, j'ai passé la main à mes enfants, parce que mes enfants ont grandi. Et eux ont choisi les sports de compétition, donc... Plutôt que de rester sans rien faire, quand je les amenais, j'ai pris de nouveaux engagements, de nouvelles responsabilités dans les arts martiaux et dans l'équitation. Il y a toujours eu de belles aventures, des belles rencontres, des difficultés aussi, mais toujours des challenges, l'envie d'aller de l'avant, de faire plaisir et surtout, ce qui animait, c'était partager avec les autres. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'Escalcasse, forte de 44 associations, c'est une belle ville, c'est une ville extrêmement dynamique. La qualité des animations, la renommée de la MJC, la qualité de l'école intercommunale de musique, ça dépasse très largement les limites de notre commune. Mais tout cela, c'est grâce au travail des présidents, des éducateurs, des animateurs, des bénévoles qui mettent toute leur énergie au service de tous et au quotidien. Si vous nous accordez votre confiance, notre rôle sera bien sûr d'entretenir, d'enrichir cette offre de qualité et de la rendre accessible à tous. Au cours de nos différentes rencontres avec vous, nous avons quand même fait deux constats majeurs. Le premier constat a fait ressortir un manque réel de lisibilité dans la répartition des subventions. Nous proposerons la création d'une commission d'attribution totalement indépendante, qui mettra en place des critères clairs, connus de tous, élaborés, publiés en concertation avec les associations. Nous favoriserons la mise en place et la mise en œuvre de projets communs, dans un souci bien sûr de mutualisation des moyens, de gestion rigoureuse et efficace, au travers de rencontres régulières avec les présidents d'associations afin de connaître leurs besoins et leurs difficultés. Le deuxième constat, celui-là concerne un petit peu tout le monde, puisqu'il est sorti une réelle inquiétude quant à le projet Hubergent. Voilà, le projet Hubergent, c'est un projet, on en a entendu beaucoup parler, qu'est-ce que c'est ce projet Le projet Hubergent, ben, c'est une salle multi-activité qui doit avoir le jour à Escalcasse, qui a été promise par le maire a priori pour la prochaine rentrée. Aujourd'hui, les travaux n'ont pas commencé. Donc, nous allons être vraiment confrontés à un problème d'accueil de nouvelles populations dès la rentrée 2014. Il faut que chacun trouve sa place, que chacun puisse exercer une activité, qu'il puisse trouver satisfaction. Donc, nous serons extrêmement attentifs et extrêmement vigilants sur ce projet. Nous envisageons également de donner un nouvel élan à la journée des associations, au travers d'animations qui valoriseront les spécialités, le tout dans un esprit d'échange, de respect et de partage des passions. Nous souhaitons également mettre en valeur, révéler nos jeunes talents, soutenir la création et renforcer le lien intergénérationnel.
Nous proposerons la mise en place également d'un projet de prêt de documents multimédia à domicile à destination des personnes handicapées ou dépendantes, afin que tout le monde puisse avoir accès à la culture et à la vie associative. Nous étendrons le système du ticket sport, qui aujourd'hui est très très peu exploité et très peu utilisé. Mais dans toute cette dynamique, vous en serez les moteurs, vous les présidents, vous les responsables. Nous serons, nous, à l'écoute, présents, pour vous encourager, vous épauler, vous guider dans vos actions et dans vos projets futurs. Nous allons nous lancer un nouveau challenge. Moi, je suis prête à commencer le match avec vous pour que nous fassions rayonner l'esprit associatif, culturel et sportif à Escalquens. Merci beaucoup.